Alexandra, vous nous emmenez à Nice. Oui, regardez ce magnifique ciel de feu hier après une belle journée, belle, sèche et ensoleillée. On a eu localement 22 degrés hier dans la région niçoise. Les conditions météo sont restées très agréables. Regardez, c'est tout simplement magnifique. C'était donc hier soir. Et puis du côté de Gerbamont, dans les Vosges, les conditions météo sont un petit peu plus mitigées. Regardez la cascade du Bouchot qui déborde puisqu'on a eu beaucoup, beaucoup d'eau, notamment sur le nord-est du pays. Alors aujourd'hui, toujours ce contraste entre les régions du nord et les régions du sud. Ce matin, on a un petit peu de brouillard le long de la Garonne ou encore du côté de la Bretagne. Un petit peu plus de nuages en allant vers les frontières de l'Est, mais déjà plein soleil sur les Alpes ou encore le Languedoc-Roussillon. Dans l'après-midi, des nuages sur les régions du nord, notamment près des côtes de la Manche, avec l'arrivée d'une perturbation très peu active, mais qui donnera tout de même quelques averses et un petit peu de vent. Mais plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du soleil du côté de Toulouse, de Bordeaux, de Lyon, de Clermont-Ferrand ou encore de Vars. Vous aurez de très très bonnes conditions aujourd'hui. Côté température, regardez les températures plutôt douces ce matin, en moyenne 14 degrés à Paris, déjà 16 degrés à La Rochelle. Et puis dans l'après-midi, les températures continuent à grimper. C'est la journée la plus douce de la semaine, 19 degrés en moyenne en région parisienne, 20 degrés du côté de Lille, 21 degrés à Grenoble. Et vous aurez tout de même 24 degrés du côté de Marseille ou encore de Perpignan. Température donc vraiment printanière dans le sud.